Depuis que l'homme est homme et la femme, femme, les ex existent. Je vous déclare ex-mari et ex-femme. Vous pouvez vous embrasser. Ton père et moi, on a décidé de se séparer. Bah, il était temps. Ah, excuse-moi, ça doit être les services secrets. Ah non, c'est mon ex, c'est pire. Quand on se sépare, on se doit le respect mutuel. On se quitte. Gros porc. Je peux dire quelque chose? Non. Comme il y avait un silence, je me dis que je pouvais peut-être... Mais non. Nos ex ont laissé des traces plus ou moins profondes dans nos vies. Julie. Vous connaissez? Non, jolie. Vous êtes très jolie. Un souvenir. Jean-Claude, non, on avait dit qu'on fixait pas les clientes. Tu te maries? Ouais. Avec ta copine? La conne, là? Je vais t'expliquer. Il est dans sa période sans filtre. Les ex, on les oublie pas. Ils font partie de nos vies. J'aimais tellement ta femme. Non, ta femme. Mon ex-femme, c'est ta femme. Ah oui? Il serre la main comme si c'était toi le mari, et lui, alors tout le monde s'en fout. Hein. Donc, tu sais, lui, il a fait un an, moi 15, donc c'est un peu la prime à l'ancienneté. Souvent, on regrette. Qu'est-ce que tu ressens pour moi, toi? D'autres fois, on retrouve son ex. Qu'est-ce que tu fais? Dans tous les cas, il est question d'amour. On s'aimait, on s'aime, on s'aimera. Seul compte le présent. Bonjour, mon père. Faut que je me confesse. Putain, qu'est-ce que vous avez tous à vouloir vous confesser? Enfin, je veux pas. Mon père. Mais Rosalie. Je crois que j'ai besoin d'une bonne petite confession. On a commis une erreur, toi et moi. C'est garder pour soi des choses qu'on aurait dû exprimer. Je pense sincèrement, hein, que tu devrais faire une petite supposition au niveau du cul.